Alors, le gestionnaire de barrage va gérer trois barrages. Un barrage situé en montagne, un barrage situé ici, juste avant la zone de plaine, donc c'est un barrage, on va dire, en piémont, donc au milieu du bassin versant, et enfin un barrage situé dans la plaine. Avec une particularité, c'est que ce dernier barrage comporte non seulement une réserve d'eau, mais également une zone naturelle et une zone touristique qui ont également besoin d'eau en été et en automne. En plus des barrages, le gestionnaire de barrage, au début du jeu, dispose de centrales hydroélectriques avec lesquelles il peut donc produire de l'électricité, ce qui lui procure un revenu.